Monsieur le Président des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents des autorités administratives indépendantes, Monsieur le Doyen des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les anciens ministres du Travail de la fonction publique, Monsieur le représentant du Bureau international du travail, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des services centraux, Monsieur le Président du Conseil national du patronat du Mali, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales UNTM, CSTM, CMT et CDTM, Mesdames les secrétaires généraux des syndicats autonomes et libres, chers conciliateurs, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'experts, chers participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, sous votre clairvoyance et votre leadership, après la conférence sociale dans le domaine du travail tenue il y a juste 10 mois, la présente cérémonie de signature du pacte de stabilité sociale et de croissance constitue une initiative majeure et historique en matière de gouvernance sociale dans notre pays. L'objectif général du pacte de stabilité sociale est de favoriser l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé propice à l'émergence économique à travers une transformation structurelle de notre économie. Excellences, le pacte de stabilité sociale dont la cérémonie de signature nous réunit ce matin est un document dynamique, conçu pour apaiser le climat social et contribuer au progrès économique et social de notre pays en vue de la réalisation de la justice sociale et du travail décent pour les masses laborieuses, est bâti autour de 7 chapitres avec un préambule contextuel, un plan d'action quinquennal de mise en œuvre à partir des recommandations de la conférence sociale tenue du 17 au 22 octobre 2022. Mesdames et Messieurs, le chapitre 1 traite des fondements politiques et juridiques du pacte. Le chapitre 2 traite des objectifs du pacte. Le chapitre 3 est relatif aux attentes des trois parties, gouvernement, employeur et travailleur. Le chapitre 4 traite des engagements communs des parties et des engagements spécifiques de chaque partie. Le chapitre 5 est relatif à la mise en œuvre. Le chapitre 6 traite du suivi et évaluation. Enfin, le chapitre 7 est relatif aux dispositions finales et diverses, dont la révision et l'entrée en vigueur. Mesdames et Messieurs, quant au plan quinquennal 2023-2027, il comprend une note de présentation et un cadre logique contenant des agrégateurs et des activités avec des périodes de réalisation à court, moyen et long terme et structurées autour des axes suivants. Le dialogue social, la liberté syndicale, la politique de rémunération, la promotion du secteur privé, la protection sociale et la sécurité et santé au travail. En tout, le plan d'action compte 60 domaines d'engagement et 125 activités programmées sur 5 ans avec des responsables de structures impliquées. Ces activités portent entre autres sur l'extinction des procès verbaux de conciliation signés avec les syndicats de travailleurs, l'organisation des élections professionnelles de représentativité, l'adoption d'une politique salariale, pour ne citer que ceci. Mesdames et Messieurs, à travers nos attentes et engagements contenus dans le présent document de pacte, l'objectif ultime, qui est celui de la justice sociale, sera une réalité à l'aune de la mise en œuvre du plan d'action qui est annexé et contribuera, j'en suis sûr, à une meilleure protection du travail et des travailleurs. Le pacte qui sera signé est le début d'une dynamique. Cette nouvelle dynamique des relations professionnelles devra permettre de trouver des solutions efficaces et durables pour la relance de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Elle demandera le même engagement de toutes les forces sociales du pays en faveur du dialogue social et la concertation tripartite pour l'atteinte des objectifs du pacte.
Excellence, je voudrais, avant de terminer cette brève intervention, saisir l'occasion qui m'est ainsi offerte pour présenter mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des participants, gouvernement, employeurs et travailleurs, pour tous les efforts accomplis en vue d'aboutir à cette signature. Je remercie également tous les membres de l'équipe d'experts ainsi que toutes les personnes et ressources pour leur participation remarquable aux travaux, sans oublier nos chers conciliateurs. Mes remerciements s'adressent enfin au Bureau international du travail pour son appui constant à notre pays. Vive les FAMAN, vive le Mali. Je vous remercie.